Voudriez-vous avoir une musique film d'horreur qui sonne comme ça? Si oui, écoutez la vidéo qui s'en vient, je vais vous montrer de A à Z comment faire ça. Salut, je suis Bruno Allmusic et aujourd'hui je vais parler de comment faire une musique style d'horreur rapidement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai fait une masterclass gratuite qui s'appelle « Produire une chanson à partir de zéro ». C'est là-dedans que je parle de comment passer de sa première inspiration jusqu'au mix entièrement terminé. Vous pouvez vous inscrire, le lien est en description et c'est entièrement gratuit. La première chose à faire pour faire votre musique film d'horreur, ça serait d'écouter des scènes qui font style poursuite pour avoir vos idées. Après que vous ayez noté quelques idées, je vous invite à choisir un tempo modéré. Je vous dirais entre 110 et 120 BPM, ça le fait. Pour la gamme, choisissez des gammes diminuées et aussi des modes phrygien et locrien. Cela sonne déjà beaucoup plus instable en termes de sonorité et pour générer des scènes films d'horreur, ça va être très gagnant pour vous. Pour cet exemple-là, j'ai choisi une gamme de si diminuée qui sonne comme ça. Commencez avec un pad avec beaucoup de basse, comme ça, ça va faire un effet de profondeur, ça va déjà rajouter beaucoup de corps et beaucoup de tension à la scène. Si vous voulez un côté plus orchestral, vous pouvez quand même rajouter une contrebasse qui va venir layer le pad en question. Faites-vous un motif avec des cordes courtes, des short strings, ça va rajouter beaucoup de tension et beaucoup de mouvement avec pas mal de rythme pour votre morceau. Pour être sûr de toucher chaque aspect, je vous conseille de faire ce motif-là avec un cello, avec des violas et aussi avec des violons. Ensuite, ajoutez un French horn qui fait des crescendo et aussi des sons de brass en tant que tel qui vont déjà rajouter beaucoup de stress au morceau. Surtout dans les moments clés où est-ce que la chasse commence. Pour un peu de variété, vous pouvez ajouter quelques percussions, des percussions métalliques, déjà ça vient simuler un bel effet. Rajoutez ensuite des textures de chœur et en même temps des effets avec des voix que vous pouvez trouver qui ont rapport à ça. Le but reste quand même d'ajouter de l'instabilité et du stress. Je pourrais aussi vous conseiller des SFX comme des Downer, des Riser et des Boom qui vont rajouter une belle petite texture entre chacune des transitions dans votre arrangement. C'est optionnel, mais des effets comme un piano puis un synthétiseur, ça pourrait vous ajouter une texture supplémentaire. Une fois que vous avez vos instruments, vous pouvez faire une petite job de mixage et le tour est joué. Vous devriez avoir un résultat qui ressemble à ça.
pose la question, est-ce que vous avez eu l'impression d'être dans un film d'horreur? Si vous avez d'autres idées de type de musique que vous voudriez que je fasse de tutoriel, vous pouvez m'écrire ça en commentaire et moi je vais noter tout ça. Donc c'était comment produire une musique film d'horreur style poursuite. Je suis Bruno Al Music et je vous dis portez-vous bien et bonne musique.